ses premiers virages en moto, c'était ici, sur cette piste de la région bastiaise. Brando Campocas, 19 ans, est depuis devenu champion de Corse et de France de moto, et il pourrait bientôt devenir champion d'Europe. À 11 ans, il quitte la Corse pour Aix-en-Provence, où il s'entraîne à la moto en sport-études. Le jeune pilote découvre alors la compétition Supermotard, où le parcours est composé à 70% de bitume et 30% de terre. Malgré son jeune âge, Brando accepte de faire des sacrifices. C'est ce qu'il faut, selon lui, pour arriver en haut du podium. J'ai déjà perdu deux amis dans la moto. Et je me suis blessé aussi au niveau du tibia. J'ai eu une perte de mémoire suite à une chute. Après, il faut décider les sacrifices, le pour et le contre. Il faut décider si on continue, si on ne continue pas. Passionné et déterminé, Brando s'entraîne depuis son plus jeune âge, sous le regard attentif de son père, lui-même champion de France en 2006. Depuis qu'il a l'âge de 2 ans et demi, à 19, il n'a pas fait 1 mètre sans que je le voie rouler. Tout, entraînement, course compris. Car Brando a de qui tenir chez les Campocasso. La moto est une histoire de famille depuis 3 générations. Là, il avait les cheveux et tout. Hein. Tous les yeux sont désormais rivés vers la Bulgarie, où Brando espère maintenir sa première place au classement du championnat d'Europe. Son grand-père y croit dur comme fer. J'espère que tu monteras sur ton podium. C'est le but. C'est ce qu'on attend, c'est le but. Hein. Au mieux, je serai champion, au pire, je serai vice-champion. Après, je ne vous cache pas que le but, c'est d'être champion. J'ai tout fait pour, on s'est entraîné pour, la moto est faite pour, mes parents, mes amis, les gens qui me soutiennent, tout le monde est là. Donc du coup, on va faire le maximum. En attendant un titre, le champion corse est déjà convoité. Il devrait passer en catégorie supérieure à la rentrée prochaine.